Nouvelle polémique pour Christina Cordula, après la grossophobie, les bikinis fans de Christina Cordula de nouveau indignés, l'animatrice a partagé sur son compte Instagram un message qui a été très mal interprété, décidément, en ce mois de juillet, Christina Cordula enchaîne les polémiques. Il y a quelques jours, la célèbre animatrice des reines du shopping, M6, était accusée de grossophobie, pour avoir déclaré que les combinaisons n'allaient qu'aux femmes minces. Valérie D'Amido avait d'ailleurs réagi avec véhémence sur Twitter, « On met ce qu'on veut, ronde par ronde, stop la dictature ». Cette semaine, c'est un autre message qui a suscité l'agacement des internautes. La belle brésilienne, grande admiratrice de Meghan Markle, a en effet partagé sur son compte Instagram une citation pour le moins surprenante, « Le bikini est la chose la plus importante depuis la bombe atomique », quelques mots qui ont provoqué l'incompréhension et l'indignation d'une partie des fans de l'animatrice. Honte à vous, je ne comprends pas vraiment la comparaison. C'est horrible, des millions de morts, honte de part de Runtelli et Neptai. En réalité, cette citation controversée est à attribuer à Diana Vreeland, ex-rédactrice en chef du magazine Vogue dans les années 1960, et grande adepte des déclarations provocatrices. Elle est connue pour avoir bousculé les conventions en arrivant dans le monde de la mode, et avoir apporté une nouvelle conception de la beauté, plus atypique, qui sortait des carcans habituels. En postant l'une de ses citations, Christina Cordula voulait peut-être montrer que contrairement aux critiques qu'elle reçoit, elle sait aussi s'extraire des stéréotypes de la mode, une tentative plutôt maladroite, et qui n'aura malheureusement pas réussi à la réconcilier avec son public. N'est-ce pas, clin d'œil ok. Royaume-Uni The Bikini Bikini is the most important thing since the atom bomb, Diana Vreeland. Brésil au bikini bikini fois mais importante avant Sao do Século 20, de poids da bomba atomica, Diana Vreeland. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Christina Cordula.